Bonjour, c'est Tolly le Belge. Eh bien oui, la bête que vous voyez devant vous, c'est bien la toute nouvelle MT-09, la 2017. Je l'ai déjà depuis quelques jours et vous allez me demander comment elle roule. Ben, j'ai eu le grand cadeau de la recevoir avec 0 km. Yamaha m'a fait le gentil cadeau de me faire confiance et de me la filer dès qu'elle est arrivée, mais en contrepartie, c'est Oli qui se tape le rodage. Alors le rodage, me direz-vous, est-ce que les motos actuelles ont encore besoin d'un rodage? Eh bien écoutez, je pense que s'il y a de grands constructeurs qui vous demandent de faire un rodage, c'est pas uniquement par plaisir. Et je pense que moi, le rodage, c'est comme les préliminaires, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux. Alors là, pour le coup, faire le rodage, c'est quoi? Sur une MT-09, c'est être vachement raisonnable. Faire 4000 tours sur les 100 premiers kilomètres, je vous assure que c'est ultra long. Et puis après, petit à petit, commence à pouvoir se faire plaisir. Par contre, l'avantage, c'est que là, je viens de passer sur la réserve et j'ai une grande consommation de 4 litres 7 au 100. Ceux qui roulent en MT-09 savent ce que ça veut dire. Ça veut dire que j'ai vraiment été vachement raisonnable. Donc c'est quoi le rodage? Et donc ne jamais accélérer à plus de 60-70%. D'être toujours très très sage sur le rétrogradage, de ne pas taper dans le frein moteur parce que c'est mauvais pour le vilebrequin. Et d'être toujours extrêmement doux avec la boîte de vitesse, avec l'accélérateur, etc. Il faut vraiment habituer la moto et à se faire plaisir sur des bas régimes. Bon, on va peut-être arrêter d'en parler et puis on va aller rouler un petit peu, hein. Allez, let's go. Hop, on met les gants. On démarre le bouilleur.